Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on va discuter de canons à mousse. Donc, qu'est-ce que sont des canons à mousse? À quoi ils servent? Comment les utiliser correctement? Et plus, donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan. Re-bienvenue à tous mes auditeurs réguliers et tous ceux pour qui c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, je vous recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner situé sous cette vidéo afin de vous abonner à ma chaîne et ainsi vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on parle d'esthétique de voiture, plus précisément de canon à mousse. Donc, c'est une technologie relativement récente pour le lavage du véhicule. Je devrais préciser que c'est en réalité pour le pré-lavage. Donc, afin d'éviter d'instaurer des rayures lorsqu'on lave le véhicule, on veut se donner le maximum de chances possible et retirer la majorité de la saleté avant de laver la carrosserie. Pour ce faire, on utilise un canon à mousse, comme celui-ci de la compagnie Trinova, ou également mon autre canon, donc que j'utilise beaucoup, celui-ci de MTM, la dernière génération, donc le plus récent modèle PF22. Donc, les canons à mousse sont très populaires pour plusieurs raisons. Premièrement, car ils sont simples d'utilisation. Généralement, ils comprennent trois parties. Donc, premièrement, le contenant dans lequel va se trouver l'eau savonneuse. Ensuite, ici, sur le dessus, on a carrément le canon lui-même. Donc, avec une valve ici en haut qui contrôle la quantité d'air. Donc, on va insérer à l'intérieur et donc par le fait même la quantité de mousse qui va ressortir. Donc, on tourne la valve pour l'ajuster. À l'avant ici, donc on peut contrôler l'épaisseur et la largeur donc de la mousse qui va sortir. Donc, comme vous voyez ici, les ailettes se séparent ou se rapprochent. À l'arrière ici, on a une connexion de type rapide afin de rapidement connecter ceci à notre nettoyeur haute pression. Donc, si on dévisse l'unité, à l'intérieur se trouve donc une paille qui vient aspirer le mélange donc de savon et d'eau. Donc ça, c'est le troisième morceau. Donc, hyper simple d'utilisation. On fait simplement mettre quelques onces, donc quelques millilitres de produit au fond. On remplit avec de l'eau et ensuite, on vient simplement connecter à notre canon pour l'utiliser. Alors, les canons à mousse sont utilisés lors de l'étape de pré-lavage afin de créer une mousse qui est très riche, qu'on va vaporiser sur le véhicule. On laisse agir quelques minutes, typiquement entre 5 et 10 minutes, et de cette façon, la mousse va encapsuler donc la saleté et les débris, les soulever à la surface et les rendre plus simples à rincer. Donc, on va rincer toutes les saletés du véhicule le plus possible avant de procéder à l'étape de lavage de la carrosserie. Et donc, on minimise les chances d'instaurer des rayures et des tourbillons dans la peinture lors de l'étape de lavage. Alors, ce que j'aime faire, premièrement, est de prendre une tasse à mesurer, un peu comme celle-ci, avec des gradations ici sur le devant. J'aime prendre un savon à mousse de qualité, un de mes favoris étant le Chemical Guys Honeydew Snow Foam. En passant, ne vous inquiétez pas, je vais inclure tous les liens pour les produits utilisés et discutés dans la vidéo dans la section description sous la vidéo. Je viens ici et je mesure. Moi, j'aime toujours commencer par 1 à 2 onces de produit. Donc, dans ce cas-ci, je vais mesurer environ 2 onces. On vient dévisser le contenant donc du canon à mousse. On vient verser le savon directement à l'intérieur du contenant et on ajoute l'eau dans le contenant tout simplement. Donc je vais aller ajouter l'eau et on vient refermer donc le canon. Typiquement, je vais ajouter entre 16 et 32 onces d'eau, donc environ la moitié, je dirais, du contenant. On vient agiter à l'intérieur et on vient tourner un peu pour être certain que le savon est bien dilué dans l'eau. Et on peut ensuite connecter directement sur le nettoyeur haute pression. Donc, par exemple, le fusil que j'utilise normalement pour mon nettoyeur haute pression, avec ici les connexions rapides, on vient simplement connecter et voilà, on a un canon à mousse prêt à être utilisé
et on vient vaporiser directement le savon sur le véhicule. On va laisser agir la mousse entre 5 et 10 minutes ou selon les instructions qui sont décrites par le manufacturier sur la bouteille de savon. Donc, pour la démonstration, allons-y et regardons comment ça fonctionne. Lorsque vous avez terminé, encore une fois, c'est super simple, grâce à la connexion rapide, on vient simplement retirer et voilà, le tour est joué et on peut ranger et procéder aux prochaines étapes. Donc, comme vous avez pu voir, il est extrêmement facile d'utiliser un canon à mousse en combinaison avec son nettoyeur haute pression. La majorité des ensembles de canons à mousse viennent déjà avec tout le nécessaire. Donc, le canon comme tel, ainsi que le conteneur et à l'intérieur, donc la paille d'aspiration. Donc, ils ont tous le même principe de base. Il y a quelques différences donc dans la conception, mais généralement, ils fonctionnent tous super bien. Donc, encore une fois, le canon à mousse, je vous rappelle, sert lors de l'étape de pré-lavage du véhicule. On vaporise donc une mousse de savon partout sur la carrosserie. On laisse agir quelques minutes, jamais donc au grand soleil, toujours à l'ombre, de préférence soit en fin de journée ou en début de journée, ou encore dans un garage si vous y avez accès. Lorsque le savon a terminé d'agir pour quelques minutes, on vient le rincer à grands jets d'eau et on peut ensuite passer donc au lavage du véhicule. Donc le pré-lavage avec le canon à mousse sert à encapsuler et soulever la poussière et les débris qui sont lousses et libres sur la carrosserie. On vient ensuite les rincer et ça vient ici minimiser la chance de rayer la peinture lors des étapes de lavage subséquentes. Encore une fois, je vais vous mettre les suggestions pour de bons canons à mousse ainsi que des savons moussants qui sont conçus spécifiquement pour les canons à mousse. Je vais inclure les liens dans la description sous la vidéo. Également, si vous avez apprécié le tutoriel, laissez-le moi savoir en cliquant sur le bouton « J'aime ». Prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo afin de vous abonner à ma chaîne et ainsi vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!